voilà, après la première diminution, j'ai fait encore deux rangs et là je vais continuer les diminutions, mais cette fois-ci en tricotant les trois mailles centrales. Ça nous fait une double diminution. On n'a plus besoin de relever de mailles comme on a fait précédemment. Donc là, je tricote mes trois mailles. Je n'oublie pas de remettre le marqueur afin de ne pas être perturbé lors du comptage. Et je continue donc mon rang, et ce à chaque deux rangs. Il faut tous les deux rangs, il faut diminuer de deux mailles comme on a fait là. Voilà, je me retrouve donc après quelques heures de travail. Donc j'ai formé la deuxième épaule. Je vais compter avec vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 20 boudins puisque j'ai compté que les boudins qui ressortent. Donc là, ça fait en tout 80 rangs. Je vais maintenant continuer mes rangs et mes diminutions, et cette fois-ci tous les 4 rangs. Précédemment, on avait diminué tous les 2 rangs. Et là, nous allons continuer tous les deux rangs à diminuer. À ce stade du travail, nous avons 25 mailles sur notre aiguille. Donc, vous allez continuer à diminuer tous les deux rangs jusqu'à ce qu'on obtienne 9 mailles sur notre aiguille. Voici enfin terminé notre capelet. Donc ici vous avez notre première épaule, nous avons obtenu ici 9 mailles, et de l'autre côté c'est la même chose, j'ai obtenu 9 mailles également. Les deux parties sont symétriques, il n'y a rien à dire. Ne serrez pas quand vous venez à fermer vos mailles, ne serrez pas trop pour avoir les mêmes dimensions, on va dire. Là, j'ai commencé la bordure, donc j'ai pris un crochet numéro 10 et j'ai doublé le fil avec un fil rose de la même gamme, et j'ai commencé à faire des mailles serrées sur chaque boudin. J'ai mis une maille serrée. Arrivé sur la maille qui fait coin, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. 2 et 3. Voilà. Je vais continuer sur mes 9 mailles de départ, mais je vais sauter une maille à chaque fois. Je vais faire en tout 5 mailles serrées avant de faire ma dernière maille du coin, c'est-à-dire 3 mailles serrées dans cette maille-là. Ensuite, je vais continuer normalement, donc avec des mailles serrées sur l'autre côté. Je termine le pourtour et on se retrouve après.
Voici arrivé à la fin de mon rang. Je vais fermer par une maille coulée. Voilà. Et sans couper le fil, je vais commencer à faire mes franges. Voilà, vous allez vous munir d'un mètre ruban. Il faut compter à peu près 30 cm. On va tirer une boucle, une longue boucle, jusqu'à 30 cm. Vous tiendrez en même temps le bout de votre ruban au niveau du crochet et l'autre bout, enfin 30 cm, à la base de la frange. Comme ça, vous avez mesuré votre frange. On fait ça pour toutes les autres franges, comme ça on aura des franges identiques. Voilà, vous faites ça. Ensuite, vous allez faire des torsions du fil, vous tournez d'un côté ou de l'autre, peu importe. Vous faites 15 torsions. Vous comptez à chaque fois 15 torsions. Et vous venez piquer ensuite dans la même maille. Alors, vous repiquez dans la même maille, vous passez les deux brins de la maille serrés. Voilà, comme ça. Voilà. Vous tirez un jeté que vous faites passer à travers tous les brins que vous avez sur votre crochet. Ensuite, vous piquez sur la maille serrée suivante et vous faites une maille serrée. Voilà. Réajustez ensuite votre frange, elle se place magiquement. Voilà ce que nous obtenons. Vous allez faire la même chose tout le long, donc toujours tirer jusqu'à 30 cm. Il faut absolument savoir tenir le bout de votre mètre ruban avec le crochet. Il n'y a que cette manière pour avoir des franges identiques. Donc vous faites ça comme tout à l'heure. Et ça, tout le long du pourtour du bas du vêtement. Allez, je vous laisse faire, on se retrouve après. Voilà, arrivé dans les coins, dans les bordures latérales du vêtement, vous allez faire dans les coins deux mailles serrées. Une et deux. Voilà. Et vous continuez donc sur l'autre partie, vous faites une maille serrée sur chacune des mailles serrées. Dans cette partie-là, on ne fait pas de frange. C'est ici qu'on viendra fixer nos pompons. Donc, vous continuez. N'oubliez pas de faire
deux mailles serrées dans le coin pour tourner. Voilà. Et voilà. Et sur ce, vous piquez une fois pour faire une maille serrée et vous commencez à faire vos franges. Vous faites de la même manière. Voilà. Nous allons procéder maintenant à la réalisation des pompons. Vous allez prendre le fil gris et le fil rose. Vous mesurez environ 25-23 cm. Et vous allez plier sur les 25 cm 7 fois. 7 ou 8 fois. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire même plus. Donc, vous faites 7 pliures. Voilà. Voilà. Et vous allez couper le fil à la même longueur. Voilà. Laissez de côté ce petit boudin. Vous allez réaliser comme ceci trois autres boudins. Et vous allez les laisser de côté tous les quatre pour l'instant. Vous allez ensuite réaliser les cordelettes qui vont venir fixer les pompons. Donc, vous montez deux mailles en l'air et vous allez crocheter avec un crochet numéro 4,5 comme sur l'image. Vous lâchez toujours la maille, la deuxième maille, vous sortez le crochet, vous tirez un jeté sur à travers la première maille, ensuite seulement vous tirez le deuxième jeté à travers la deuxième, exactement comme sur l'image. Ça nous permettra de faire une sorte de tricotin ou cordelette comme vous préférez. Voilà. Vous vous arrêterez à environ 25 cm. Vous allez ensuite nouer un des bouts de la cordelette sur deux fois. Vous allez ensuite reprendre les boudins de fil et vous allez essayer de former le pompon comme sur l'image. Je sais que ce n'est pas évident, j'ai dû apprendre moi-même comment réaliser cette sorte de pompon ou de gland, comme vous voulez.
Donc, essayez de faire exactement de la même manière, toujours en pliant et en passant à travers les boucles formées par les pliures. Je sais que ce n'est pas évident, vous, mais je pense que vous y arriverez si moi j'y suis arrivée. Voilà. Alors, à savoir, vous auriez pu également faire des boudins beaucoup plus longs, par exemple, je ne sais pas, sur 30 cm. Ça vous aura permis de ne pas trop vous emmêler les fils, parce que vous aurez des boudins plus grands, donc les pliures seront plus longues. Mais moi, pour économiser le fil, évidemment, je ne fais pas de gaspillage, donc j'ai fait exactement la longueur souhaitée. Et si j'y arrive, vous y arriverez, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment on réalise ça. Vous voyez, nous avons entrelacé tous les boudins et ensuite on va serrer petit à petit. Voilà. Après, vous pouvez faire un pompon tout à fait normal, hein. Mais je ne sais pas. Peut-être que j'ai voulu tester cette manière de faire, qui m'avait un peu interpellée. Je l'avais vue sur Pinterest, il me semble. Et voilà. Donc, si vous voulez faire pareil, faites-le pareil. Sinon, faites un pompon tout simple. Et voilà. Vous allez ensuite prendre les cordelettes et les faire passer à travers notre pompon. Bien sûr, les nœuds que nous avions prévus vont faire une résistance, si vous voulez, au fil. Donc, ça tiendra mieux. La cordelette sera fixée, si vous voulez, par le bas au niveau du pompon. Ou alors, vous pouvez tout simplement coudre votre cordelette, hein, au niveau de l'intérieur du pompon. Bon, essayez de réaliser de toute façon des pompons avec des cordelettes. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez passé votre cordelette, vous allez nouer au niveau du pompon à environ 1,5 cm. Vous serrez bien fort. Thank you.
Vous allez ensuite fixer les pompons avec les cordelettes comme sur l'image. Donc le bout de fil que nous avons laissé, vous allez le rentrer plusieurs fois de suite dans l'orifice central de cette partie-là du vêtement. Vous faites plusieurs tours. Vous rentrez ensuite le fil à travers les mailles. Et une fois que c'est fait, n'hésitez pas à prendre une petite aiguille et du fil pour fixer le tout définitivement à l'intérieur du vêtement. Comme ça, votre pompon ne risque pas de s'enlever un de ces quatre si on venait à tirer dessus ou quoi que ce soit. Donc là, c'est provisoire. Mon fil, je le fais rentrer comme ça. Mais après, je vais le fixer avec du fil à coudre. Et je fais plusieurs nœuds pour que ce soit plutôt solide. Voilà. Nous allons ensuite faire une bordure au niveau de l'encolure. Vous allez faire exactement pareil que pour la bordure en bas. Vous fixez le fil au niveau de l'un des coins de l'encolure, de préférence vers l'arrière. Et vous allez faire des mailles serrées au milieu de chaque boudin, c'est-à-dire dans le groupe de 4 rangs, vous faites une maille serrée. Bien sûr, vous commencez toujours par une maille en l'air. Et vous faites, vous piquez le crochet au milieu du boudin suivant. Toujours avec le crochet numéro 10, hein, comme on a fait avec le bas du vêtement. Donc, vous faites tout le long comme sur l'image. Arrivé au bout de votre rang, vous allez faire une maille coulée pour fermer votre rang. Et tout de suite après, vous continuez pour faire un deuxième rang de mailles serrées. Voilà, exactement comme le premier. Voilà donc notre cap enfin fini. Vous voyez les jolies franges que nous avons obtenues, l'encolure. Alors bien sûr, les épaules, c'est selon vos propres mesures. Si vous mettez moins de boudin ici, vous rétrécissez un peu vos épaules. Donc vous pouvez par exemple commencer vos diminutions à partir ici. Alors attendez que je dise pas de bêtises.
Voilà. Ici, ça fera des épaules les plus petites, je pense. Hein, tout dépend de la taille de la personne. Voilà. Et voici donc nos pompons. Hop. Des jolis pompons. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de réaliser à la perfection votre caplette en anglais, caplet. J'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous y arrivez facilement, si je peux changer quelque chose dans ma méthode d'explication. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain projet. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Donc, je vous dis, portez-vous bien. Bisous.